Hey, vous autres là, mes abonnés, je vais vous montrer mon nouvel ordi. Si je viens de le recevoir, ça devrait être pas fait pantoute, esti. Puis c'est ça, justement, c'est dans une géante boîte que j'ai ici, elle est très très large. Je vais découper ça pour essayer de l'ouvrir puis de voir ce que ça a de l'air. Parce que ça, je l'ai pas encore ouvert, puis je voulais l'ouvrir. Directement devant vous. Ben devant vous, dans le fond, c'est pas live, mais. Bon, là, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Ça dit this side up. Donc, pour ici, j'aurais pas dû le placer de même, hein. Bon. On va ouvrir ça. Ok. Qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi il est collé? Qu'est-ce que c'est ça? Comment j'ouvre ça? This side up. Je peux même pas mettre mes doigts en dessous, calice. This side up. Calmez! Ah! Assis! Tiens, je vais le mettre de même à la place. Tiens! Peut-être comme ça. Ok? On va checker ça. Ok! Là, j'ai du papier. J'ai ça ici. C'est quoi ça? Un power supply. J'ai le power supply, le 750, ah si, j'espère qu'on le voit à l'endroit, le 750 gold power supply. Il devrait être pas mal bien, je sais pas pourquoi il est pas dedans, mais en tout cas, on va mettre ça à côté. Hey boy. Il y a une autre affaire ici. C'est quoi ça? La motherboard. Tout le monde est tout séparé, c'est supposé être monté, c'est bien con. Ah, la Z 87, 97, 97 G45 Gaming Motherboard pour jouer à des jeux. Alright, parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est quoi ça? Ok, ça c'est les barrettes de RAM qui sont dans l'ordi. Justement, à cause de ça, je l'ai fait monter. Je sais pas pourquoi. Ça devait être à cause que. Ah oui, c'est à cause de la motherboard. La carte graphique sont vraiment trop grosses. Fait qu'ils ont mis à part. Ok. Du beau papier. Ah. Pour ce papier bulle, là, c'est des. Oh! Oh! Mes oreilles viennent de saigner. Ok. En dessous. Ok, on a ma carte graphique. Ça, c'est ma tour. C'est la tour d'ordi. Grosse de même. On va la déballer devant vous, ensuite. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Un processeur de Intel Core. C'est quoi ça? Un peu. Pour moi, il n'y a rien dedans. Non, ça y est vide, mais c'est quoi ça? Ok, c'est un bout de plastique pour je sais pas trop quoi. Comme vous le voyez là. Je sais pas trop à quoi ça sert. Fait que. On va garder ça dans la boîte, on va garder la boîte. Ça, c'est au cas où qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est pour le renvoyer. Ok. Bon. La dernière chose qu'il y a dedans. Ma carte graphique. La GTX 970 GeForce. Ça devrait être extrêmement puissant. Comme on voit, il y a un Transformer dessus. Ce qui risque d'être extrême. Yes! Alright. Bon, on va mettre ça ici. Ben, du stock. Check la grosseur de la boîte! Ça n'a aucun sens! Yes, j'espère que j'aurai assez de place pour garder tout. Voyons, garder toutes les bouts de vidéo sans que ça coupe. En tout cas, on va espérer. Oh, ok, ici on va découper. Comment sortir ça? Okay. Oh boy, c'est énorme! Okay, je vais essayer de le sortir de côté. Ok, je commence à l'avoir.
Oh yeah! Bon! Ouf. Ok, là, il y a tous les papiers. Oh fuck, ça c'est pas bon! Attends, ça c'est quoi? Ok, là j'ai la base. Bang! Voici l'ordinateur. Avec le papier, on voit tout au travers, c'est géant et... Ok, ah, on voit, il y a des... Attends un peu. Je vais enlever. Je sais pas si vous voyez. Merci, il y a un autre papier là. Attendez deux secondes. Ok. Il y a un papier protecteur ici. Sur le top. Ok, comme là on peut le voir, il ressemble à ça. Il y a tout ça dedans et ça, c'est avec les fils déjà placés. Donc, ça veut dire qu'il est déjà prêt. Donc, c'est ça, il me reste à mettre un disque dur, tous mes disques durs dans le fond. Puis ensuite, ben, le power supply il doit être déjà installé. Ça m'ouvrait la boîte. Power supply. Ah, ça, a déjà été. De fait, comme si elle était ouverte, fait que... Bon. Toi, ça doit être déjà ouvert. Comment ça s'ouvre? Ok. Ok, j'ai du papier, j'ai un manuel d'instruction. Puis j'ai des fils un peu partout. Pourquoi, je sais pas. Si tout est déjà installé, je comprends pas. À moins que c'est ça, le power supply, mais la boîte est déjà dedans. Fait que je vais regarder ça. Anyway, pour monter l'ordi, je vais m'arranger avec mon cousin, ça se peut qu'il soit dans la vidéo plus tard, peut-être dans... Ben, quand j'aurai fini Vampire the Masquerade Bloodlines... C'est là que je vais... que je vais mettre... Colique. C'est là que je vais monter l'ordi avec mon cousin. Ben, ça sera peut-être sur vidéo, comme ça le sera peut-être pas, mais on va checker ça. Fait que c'est ça, c'est mon géant ordinateur. Un Corsair. Avec une grosse trappe sur le dessus, mais une trappe dessus. Sur le dessus, c'est comme... Ok, c'est aimanté, c'est pas pire ça. Dans le fond, j'ai une affaire à trappe poussière qui va empêcher la poussière de traverser, puis ça garde ça au frais. Puis ce qu'on peut voir dans le haut, dans le coin, je suis pas trop sûr, c'est où. Je suis supposé d'avoir un water cooling, mais je sais pas ce qu'il y a. Fait que je vais checker ça. Puis merci d'avoir regardé. C'est le moi qui déballe justement mon nouvel ordinateur qui va être une bombe. Ça va exploser. Fait que merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Fait que merci. Et on se revoit dans la prochaine. On est rendu à 67 abonnés. Ciao! Continuez comme ça.